Good evening, viewers. It is time for the primetime Balangwe newscast on Spectrum Television. Our top stories tonight: following the arrest of some teachers a fortnight ago, during a confidential meeting, the African Teachers Syndicate in Cameroon and Africa fires back at the Minister of Territorial Administration, notes calling out the governors of all regions to shine the spotlight on teachers bent on continuing the strike action. Our reporter on that beat will enlighten us on the legitimacy and legality of the movement Enough is Enough in its French acronym On a Trop Supporté, and that is our lone top story. Hello, viewers. You are welcome to this primetime Balangwe newscast on Spectrum Television. Our first element comes up in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Dans une correspondance adressée au gouverneur des régions, le ministre de l'administration territoriale demande de procéder à l'identification et à l'interpellation des signataires des tracts demandant aux enseignants de poursuivre la grève. Une requête qui est à l'origine du courroux des syndicats, particulièrement du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, en abrégé CECA. Inès Pangan pour le point. Les mouvements On a Trop Supporté, OTS, et On a Trop Attendu, OTA, sont légitimes et légaux. C'est la réponse du syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, en abrégé CECA, au ministre de l'administration territoriale. En effet, dans une correspondance adressée au gouverneur des régions, Paul Atanganji leur demande de procéder à l'identification et à l'interpellation des signataires de tracts demandant aux enseignants de poursuivre la grève. Le mouvement OTS est légitime dans ce sens qu'il a soulevé les problèmes connus par tous, je dis bien tous les enseignants du Cameroun, de la maternelle au secondaire. Je dis bien tous les enseignants, il n'y a aucun enseignant qui fait exception à cela. Et ce mouvement est par conséquent légitime. En termes de légalité, ce mouvement également est légal. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement légal, monsieur? Un mouvement légal, c'est un mouvement qui agit conformément à la loi. Et OTS a agi conformément à la loi. Dans la note ministérielle signée le 6 mai 2022, on apprend qu'un groupe d'enseignants a été arrêté. Ils ont été surpris dans une réunion avec des responsables de partis politiques et d'ONG. Les échanges portaient sur des projets politiques à caractère insurrectionnel. Mais monsieur le ministre de l'administration territoriale, nous sommes ici au 21e siècle. Nous ne sommes plus à la période coloniale. Ces méthodes-là sont purement coloniales, monsieur. C'est colonial, ça. Alors, eh bien, si vous avez attrapé des représentants d'OTS et OTA avec les partis politiques, et que vous êtes en train de les exploiter en ce moment, c'est bien, c'est une très bonne chose. Le peuple camerounais et le monde entier attendent les résultats de ces exploitations-là. Et concernant le règlement progressif des revendications des enseignants, il n'en est rien. Le paiement de la dette n'a été réglé qu'en partie, moins d'1% précisément. Vous dites qu'on a donné, on a résolu les problèmes des enseignants au mois de mars et d'avril. Je vous rappelle, monsieur, que le gouvernement a dit qu'il a payé 1,6 milliard au mois de mars. 1,6 milliard sur 181 milliards déclarés par le même gouvernement, cela représente 0,08%. Le CECA maintient, tant que les requêtes des enseignants ne seront pas traitées, la grève se poursuit. Entre autres, le paiement de la dette, l'automatisation des actes de carrière et la mise sur pied du statut spécial de l'enseignant. A workshop to promote urban development has taken place in Douala, organized by UNESCO Heritage for Sustainable Development. The platform saw the gathering of mayors, municipal councillors and staff, and focus on how councillors can contribute in the development of the Doualawan municipality. Catherine Kone with details. In order to promote integrated urban development through partnerships developed between other foreign cities and the Doualawan municipality,
A workshop by UNESCO Heritage for Sustainable City has taken place today in the city of Douala with mayors, municipal councillors and staffs. The workshop, which started last Thursday, had as focus today the role of the municipal councillors in the development of the municipality. C'est que la vie du conseiller municipal doit être une vie qui est animée par la réflexion, par la maîtrise. The life of a municipal councillor must be a life that is animated by reflection, martial procedures to accompany the municipality donc, in setting up projects that are appropriate for the population. Et donc, il faudrait it is que les also therefore paramount for a councillor to think on how to ameliorate their council area. La vie de la municipalité. Une autre chose qui est très intéressante aussi, c'est que les conseillers municipaux s'arriment. At the end of the workshop, the municipal councillors in the Douala municipality are expected to have a vision that will enable them in the development of the city. Donc, ce qui va changer, c'est qu'il y aura un règlement du conseil municipal de Douala Premier. Il y aura un manuel de procédure qui va être mis en place. Il y aura également d'autres outils pratiques qui vont être définis. As to what will change, there will be a roadmap for Douala One councillors so that their action will have an impact in the life of the population. So that every time a municipal councillor interferes, it should be a long and short term. A municipal councillor is supposed to have a vision for his municipality. A municipal councillor is also supposed to be able to defend the value of his municipality and should be able to have a mastery on topics like politics, climate change, human rights, environmental protection, child labor. I was happy seeing municipal councillor asking questions regarding their municipality. The Douala One has been used as a case study that will last for 3 to 6 months, and this experiment will permit us to ameliorate the contribution of municipal councillors in sustainable development. Et par la suite, cette expérimentation va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'il faut donc changer radicalement pour que la vie du conseiller municipal soit une vie qui permettra à la commune de pouvoir, n'est-ce pas, atteindre ses objectifs de développement durable. It should be noted that the UNESCO Heritage for Sustainable City has as objective to make the Douala One municipality a smart city in terms of cultural urban development, where the operational efficiency of ICTs makes it possible to share information with the public while improving a quality cultural public services. To this brief with gender-based violence, the Central Police Station in Limbe, in partnership with the United Nations Women, have trained and created a gender awareness campaign tirelessly fighting against gender-based violence in the city of Limbe. The launching ceremony, which took place over the weekend, saw the presence of Paramount Ruler of Limbe, His Royal Highness John Manga Williams, who promised to assist the military in the fight against this phenomenon. More of that in the following interview of His Royal Highness Chief John Elufa Mukaka. We want to believe it is a certainty that whatever message we have here will go faster thanks to you people. And so we believe that whatever we have seen here, whatever we promise to do, by through your dissemination means we will get the population to know that there exists such a desk. There exists such a facility at the level of the Central Police Station so that in case there is any event like that or any situation in the quarters or anywhere, they can directly run down here to report such. Victims should not be afraid. You know, those are some of the things that keep people, and then at the end of the day, you find them inept in the society. So we think that they should not be afraid. They should come here for help, come here for assistance, come here for advice. That's the message to the population. We believe that they will take the strong. Yeah, Chief. We still remain in the southwest region, where youth in the southwest, particularly in Boya, have adopted a roadmap to foster local development in the region. The ideas were adopted during the weekend in Boya during the All Southwest Youth Conference, where under the theme Southwest Youth in the Development of Cameroon, according to Eswa Kobito, the president of the Southwest Youth League, who was the convener of the conference, it is time for youths of the region to be vectors of local development. His excerpt. A lot of the workers are
private individuals, our own businesses. So why can't we engage in something that can put food on our table and we become our employers, not employees? So it's on that foundation that we decided to convene this conference to chart the way forward to the Southwest Youth. So 1 month from today, what should the public expect from Sawyer? 1 month is a little too far. If we were to sit for 1 month, I think the enthusiasm would die down. We shall immediately embark on divisional sensitization tour. This conference is just a pace setter for us to move from division to division. After having moved from division to division, we shall move from subdivision to subdivision. And then again, we shall have a total rally of the Southwest Youth. Now, what we have here today, it's the perfect representation of all the six divisions. But because of the space and of course the present COVID-19 situation, we could not allow that mammoth crowd which wanted to come. But we pray that by the time we shall be through with our divisional and subdivisional sensitization, we must have had that opportunity and the leeway for us to have a mega rally of Southwest Youth. At the end of today, we shall all have a unanimous resolution which we shall forward to the quarters that be, which is a total representation of the plight and demands of the Southwest Youth. Because before meeting here today, all the divisional bureaus of the Southwest Youth League submitted the worries of the various divisions, which we have harmonized in one document, what we shall gather today as the resolution of the Southwest Youth. So it's not just those who sat there today to take, who have taken those resolutions, it's a total representation of the various divisions of the Southwest. Parlons alimentation à présent et faisons un focus ce soir sur la consommation laitière au Cameroun. Après l'alerte donnée au Sénégal concernant la qualité du lait Nido consommé au Sénégal, Estivi s'interroge ce soir sur celui commercialisé au Cameroun. Une nutritionniste donne son avis dans ce reportage que signe Olivier Bouzic. C'est cette enquête réalisée par une télévision étrangère qui provoque notre curiosité. Le reportage révèle globalement que le lait Nido commercialisé au Sénégal est engraissé avec de l'huile de palme et une surdose de sucre raffiné. L'aliment serait impropre à la consommation selon l'expert interviewé. Le docteur Germaine Bangué est une nutritionniste camerounaise. Elle nous présente les différentes caractéristiques d'un lait bien à consommer. Pour un lait normal, on peut avoir un minimum de 800 mg de calcium, par exemple, parce que qui parle du lait parle du calcium déjà. Donc le taux de calcium doit être acceptable. Et lorsque c'est un lait fortifié, il faut avoir plus de 100 mg, donc environ 100 mg, parce que nous parlons des enfants. Mais s'il s'agit des adultes, on peut aller jusqu'à 1200 mg de calcium. Il faut avoir de la vitamine A et du fer. Je ne viendrai pas sur les chiffres parce que selon les différents laits, nous avons les taux de nutriments varient. S'agissant du lait Nido fabriqué et commercialisé au Cameroun, le constat de la nutritionniste camerounaise est différent de celui de sa consœur sénégalaise. Il faut noter que la comparaison est faite ici uniquement sur la base des ingrédients tels que présentés sur l'emballage. Sur le marché camerounais, nous retrouvons deux variétés de Nido. Nous avons du Nido fortifié et du Nido normal. Et le Nido fortifié a un peu plus de fer, plus de vitamine A, plus de calcium. Lorsque vous, par exemple, dans ce sachet, nous n'avons que pour 100 grammes, 860 mg de calcium. Alors que dans du Nido fortifié, nous avons un peu plus de calcium, un peu plus de fer, un peu plus de vitamine A et d'autres nutriments même. Donc, la valeur nutritive est plus élevée dans du Nido fortifié. S'il faut conseiller quelqu'un, je dirais qu'il vaut mieux consommer du Nido fortifié que du Nido normal qui a moins de nutriments que du Nido fortifié. Par exemple, ici, vous avez du Nido Forti croissance, qui est très bon pour les enfants. On en conseille d'ailleurs aux mamans. Je ne dirais pas que le lait Nido est mauvais. Non, le gouvernement ne permettrait d'ailleurs pas qu'on le vende sur notre marché. Mais il est possible d'avoir de contrefaçons. Et dans ce cas-là, vous aurez du Nido dont les éléments mentionnés sur le paquet
ne reflète pas le contenu. Et dans ce cas, vous, même dans la bouche, c'est évident dans le goût que vous êtes en train de consommer autre chose que du lait Nido. Comment distinguer le bon lait du lait contrefait? L'experte renseigne les consommateurs. Nous avons tellement de produits contrefaits sur le marché, au point où, déjà en regardant un sachet comme ça, parfois il est difficile de dire exactement que c'est l'original ou le faux, comme on le dit vulgairement au marché. Donc, évitons d'acheter dans des petites surfaces. Parce que très souvent, des produits contrefaits sont vendus dans des petites surfaces. Achetons plutôt dans des grands supermarchés et là, on est plus sûr. Nous avons tenté d'avoir un responsable de Nestlé Yaoundé. Nous avons été orientés à la direction générale basée à Douala pour plus d'informations, notamment sur les différentes étapes de fabrication du lait en général et particulièrement du lait Nido Cameroun. L'information à l'international, c'est dans le Roundup Afrique avec VOA. La COP 15, 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, s'est ouverte ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le thème de cet événement, terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère. L'ONU estime que 40% des terres sont dégradées dans le monde. En République démocratique du Congo, au moins 35 personnes ont été tuées par des miliciens de la CODECO dans l'attaque d'une mine d'or artisanale deux jours après la commémoration de l'an 1 de l'état de siège en Ituri, dans le nord-est du pays. Lors de cette attaque, les miliciens CODECO ont pillé des boutiques, emporté la production des orpailleurs et incendié des maisons, rendant ce lieu inhabitable selon un responsable de la société civile. Au Nigeria, les familles des victimes de Zamfara, où des attaques ont fait au moins 48 morts dans trois villages, expriment aujourd'hui leur douleur et leur crainte d'autres attaques. Dimanche, un responsable a confirmé que les bandits ont aussi pillé, volé et enlevé des habitants de la zone. En Tunisie, c'est au tour des partisans du président Kaïs Saïd de donner de la voix. Ils étaient en grand nombre dans les rues de Tunis dimanche pour soutenir l'homme fort du pays, alors que l'opposition continue à le dépeindre comme un dictateur. Fin avril, un Front national de salut a été créé pour faire face à Kaïs Saïd. And now talking sports, in prelude to the 50th day National Day celebration, men and women of the Cameroonian Armed Forces got engaged into some sports activities over the weekend to mark the launch of the 20th May celebration. Christelle Asek-Swele completes that story. Handball, rope talk challenge, running, as some of the leisure activities that men and women from different armed forces engaged into over the weekend to mark the launch of the 50th National Day activities here in the economic capital, Douala. For the participants, it was a moment for them to rekindle the bond with the different other corps of the Cameroon Armed Forces. It's a sociocultural day which permits us to strengthen our bond with the other corps of the Cameroon Armed Forces because we are called often to work together. This activity also permits us to combine work and pleasure. Considering your very charged and demanding work schedule, this activity is very timely as it permits them to relax as well as strengthen the bond between the different corps of the Cameroon Armed Forces ahead of the 50th National Day celebration in Cameroon. This year, the celebration is commemorated under the theme Army and Nation Together, Let's Overcome Health Security Challenges and Preserve the Peace, Stability and Prosperity of Cameroon. Restons en sport football. Audrey Yetna, épouse Chico, est désormais la présidente de Dynamo FC de Douala. Elle a été élue samedi dernier au cours de l'Assemblée générale élective du club qui s'est tenue à Dorbon, un quartier de la capitale économique. Elle remplace à ce poste Isaac Sinkot qui ne s'est pas représenté. Quelles sont les priorités de la nouvelle équipe dirigeante? Élément de réponse dans ce reportage de Makeda Lidinotium et Nono Fautu. Audrey Yetna épouse Chico, est la nouvelle présidente de Dynamo Football Club de Douala.
Elle a été élue le 7 mai dernier au cours de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée à Douala. Jean-Louis Batté, qui est son challenger, a désisté, laissant la voie libre à Audrey Yetna. Lui est désormais président délégué du club. Prendre une telle responsabilité n'est pas évident. Mais bon, je suis une femme habituée à gérer les hommes. Les hommes au masculin, vraiment le masculin. Parce que c'est ça la majorité au niveau du football camerounais. Si beaucoup avaient certaines habitudes, à partir de ce jour, qu'ils comprennent que la Dynamo va fonctionner comme une entreprise. Paiement régulier des salaires des joueurs, droits sociaux sont entre autres les priorités de la nouvelle équipe dirigeante. Et notre priorité, comme je l'ai dit en salle, c'est de mettre les joueurs actuels à l'aise. C'est de faire en sorte qu'ils aient des entraînements intensifs. C'est de faire en sorte qu'ils aient une assurance sociale, donc une CNPS, et une assurance complémentaire. Parce qu'il ne faudra pas que chaque fois qu'un joueur se casse le pied, qu'on commence à demander que mais on va où. Ensuite, leurs salaires leur seront versés désormais à travers un compte bancaire. Les travaux du 7 mai ont par ailleurs permis aux ressortissants Bassa, Batipo de lever des fonds qui vont servir au fonctionnement du club. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite du programme sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Josephine Bindi. Good night to you, Oriane. Good night to you, viewers. Thanks for watching.